Bon, ben, pour finir mes vidéos aujourd'hui en date du 9 février, je vais vous présenter deux matchs en rafale, ok, sur des matchs que j'ai remportés par l'effet surprise. Puis que va être cet effet surprise-là? Découvrez-le dans ce titre, l'effet surprise 1. Et sachez que ça va être la toute première fois que je vais infliger un chaos de cette manière. Ben oui, mon tout premier dans l'histoire de ce match. C'est pas mal des matchs très irritants. Si tu veux t'amuser à m'attraper, ben j'ai réservé une petite surprise. Pas la peine de se presser pour la charge. J'ai tout le temps étudié Laura comme pour à chaque injection. Pour moi, j'entendais juste le moment propice pour qu'il me fasse sa charge. Avec ça. Ça s'en vient bientôt. Et pitchou! En tout cas, je m'attendais à ce tir-là, fait que je me suis préparé d'avance. Et voilà. Ça vient faire fonctionner. Hein, quand que je vous parle de dépannage, là, avec une attaque spéciale, ben, en voilà un autre exemple. Et ça a donné un bon effet puisque ça m'a permis d'effectuer le KO pour remporter cette manche-là. Et la toute première fois que ça, que,
que j'ai réussi ça. En plus de ça, j'ai même pas étudié durant tout le match. Fait que c'est ce qui s'appelle avoir son adversaire par l'effet surprise. À un moment où il s'entend le moins. C'est sûr que par moment, tu peux rester surpris au bien joueur que tu vois là. Hein, mais comment qu'il a fait? Parfois, il y en a des gens, OK, qui vont pas l'apprécier, puis ils voudront déjà quitter. Juste en cause d'un petit truc qui vont peut-être trouver ça vraiment, qui vont peut-être banaliser. Comme moi, j'ai bien l'habitude de banaliser plein d'affaires. Mais, qui sont des faits réels dans les jeux vidéo. Bon, effet surprise 2. Quand un joueur qui joue habitant, villager. Puis attention, deuxième fois que j'ai réussi ce type de KO-là. Donc ça a pas été long là. Faut que j'ai fait deux fois le même KO avec Ike. Mais il fallait que je le fasse là, parce que là, ce gars-là. Il me fait gêcher bien des fois là. Surtout avec son arbre là. Je vais pas me mettre quand même pas dans la merde pour rien. Il attend que je vienne. Mais il viendra pas. Dans ce temps-là, t'attends que l'arbre disparaisse, puis c'est correct. Le champ est libre. Tiens, oui. Tu veux m'enchaîner ces coups-là? Ben, voilà une petite surprise. Qui t'attend? Je t'attends de pied ferme, moi. Ouais, viens attaquer, là. Gêne-toi pas, là. Moi, je dirais toujours que vous êtes lâche, moi, quand vous voulez pas m'affronter de face. Allez, soyez donc courageux. Brandon l'a prouvé, lui. Ainsi qu'un japonais qui joue à l'île, à un moment donné, quand je jouais à Yoshi. Puis elle a gagné entre un smash haut et un smash bas. Aérien. Donc, on attend. Ah ouais, utilise-moi autant de tes fusées que tu veux. Moi, je m'en fous. C'est pour ça qu'il va me déranger. Surprise. Attendez juste un moment propice pour le faire. Eh oui. J'avais pas le choix, Zania, il allait toujours continuer à me pousser ses armes. Mais encore une fois, surprise! Mais ne vous inquiétez pas, hein. J'essaierai pas tout le temps d'infliger tout le temps les mêmes coups là, à chaque match.
Ben, c'est tout le temps de jouer d'une manière différente. Parfois, ça va arriver que j'effectue un KO juste avec un smash vers le haut quand je suis au sol. Ça peut arriver, c'est déjà arrivé quelques fois. Ben, en un contre un, il me semble que c'est arrivé une ou deux fois, pas plus. Sinon, je varie. Je varie mes attaques, je bouge partout. Mais ça, on aimerait ça voir ça plus souvent. Puis, puis hier, ok, c'était le jour même où j'avais laissé un commentaire sur l'un des vidéos d'un joueur qui se nommait Omega Evolution. Donc je trouve qu'il joue très fort de son shook, oui. Je l'avais vu jouer avec un joueur qui s'appelait Fraser. Ça a l'air qu'il y en a des gens qui connaissent ces gens-là, des gens de tournoi. J'aimerais pouvoir un jour affronter ces types de joueurs-là, voir comment ils se débrouillent contre moi. J'aimerais les défier. Je sais que ça va vous paraître étrange. Mais moi, j'aime ça affronter n'importe qui, à n'importe quel moment, ça me dérange pas. J'ai tout mon temps à consacrer pour vous. Par contre, je continuerai pas, moi, à jouer avec un joueur qu'à un moment donné, ok, juste parce qu'en cause, il n'est pas capable de m'affronter de face, après peut-être 3 matchs, puis après ça, il décide, après ça, de commencer à abuser d'un personnage, en particulier pour essayer de me vaincre. Mais il file. Mais je suis pas intéressé à rejouer par la suite parce que t'abuses. Pas capable d'essayer de pousser un peu plus dans ta créativité pour m'avoir sur l'effet surprise. Dont les deux enregistrements de matchs que je viens de vous présenter là présentement. Et vous n'avez pas encore fini d'entendre parler de moi. Moi, je suis ici pour analyser l'image que je joue contre mes adversaires et vous offrir un style différent à chaque fois. Peu importe si c'est avec le même personnage, vous allez toujours me voir jouer d'une façon différente à chaque fois.